Dans la médina de Marrakech, au quartier nord de la Casbah, est située la nécropole royale de la dynastie saadienne. C'est le sultan Ahmed el-Mansour es-Saadi qui l'a construite au XVIe siècle. Le premier ensemble de la nécropole est situé à gauche de l'entrée. Il se compose de trois salles, la salle du mihrab, la salle des 12 colonnes et la salle des trois niches. Le second ensemble représente la coupole de l'Ala Messouda. Hein? Aussi, il y a les femmes. Les femmes aussi. Les femmes et les enfants, ouais, le prince. Mais cette salle, elle est tous femmes. Cette salle, tous sont des femmes. C'est la salle des femmes. L'Ala Messouda, la mère de Mansour, plus tous les femmes. Ici, c'est aussi tout à fait. Les femmes. Les petits dessins là noirs, comme on voit là, dans les coins. Et ça, c'est de l'époque, ils ont resté bien conservés. Parce que comme ça, on... Mais c'est un dessin, non c'est... C'est un dessin. Heureusement qu'il n'y a pas d'humidité ici, parce que sinon, on sera tout perdu. Cet ensemble funéraire, l'un des splendides joyaux de l'art et de l'architecture saadienne, reflète le faste et la puissance de cette dynastie marocaine. Le site des tombeaux saadiens se trouve dans un état de conservation particulièrement dégradé. C'est en 2013 que la fondation Dr Leila Mezian a scellé un accord avec le ministère marocain de la Culture. Son objet fut de restaurer le patrimoine des tombeaux saadiens et ainsi de le remettre en valeur, conserver sa mémoire et son héritage pour l'histoire du Maroc. Les travaux de restauration débutent à l'extérieur du site. Dans la salle du mihrab et dans la salle des trois niches, le restaurateur réalise les travaux de dépoussiérage et de nettoyage des décors en plâtre sculpté. Pour les frises en bois de cèdre sculpté, on procède en premier lieu à leur dépoussiérage. Le nettoyage de la polychromie est opéré en utilisant du coton imprégné d'une solution d'acétone. Le nettoyage des peintures sur plâtre est effectué avant de les consolider, puis de les peindre. Une fois fabriquées, les nouvelles pièces en bois sont fixées. L'artisan dessine sur calque la pièce de Zellige à reproduire, avec les mêmes dimensions et couleurs d'origine. Une fois coupée, la pièce est placée en utilisant du mortier à la chaux. Un des principaux critères de restauration est le repositionnement à l'identique des pièces manquantes de Zellige. Leur couleur doit être la plus proche possible de celle de la pièce d'origine, avec la même forme, afin que le panneau entier soit consolidé. À l'extérieur de la salle de l'Ala Messouda, la restauration des auvents en bois de cèdre sculpté et de la frise en plâtre est réalisée à travers leur dépoussiérage, le remplacement de pièces manquantes ou défectueuses, ainsi que par leur consolidation et protection. Il a fallu 2 ans pour achever les travaux de restauration. À la surface de la coupole centrale de la salle des 12 colonnes, on peut apprécier plusieurs formes. Un carré qui représente la terre, puis, dans sa partie la plus élevée, un cercle représentant le ciel, symbole d'un passage de la vie terrestre vers la vie céleste. Dans la salle du mihrab peuvent être contemplés les revêtements en zellige des tombes. Elles sont de différentes formes, couleurs et dessins. Une plaque murale en marbre ornée d'inscriptions et d'arabesques gravées se dresse dans la salle des 12 colonnes.
Sur les murs, les revêtements en zellige arborent diverses formes géométriques particulièrement raffinées. L'originalité de la salle des trois niches tient à l'arrangement de son mur, celui adossé à la grande mosquée, et à l'existence de trois niches magnifiquement décorées de plâtres sculptés et peints. La salle de Lala Messouda est une grande salle recouverte d'une coupole en bois de cèdre. Elle inclut deux loggias avec deux portiques, chacun soutenu par deux colonnes en marbre blanc, elles-mêmes surmontées de consoles à mucarna et de linteaux en bois de cèdre, le tout sous un somptueux plafond. Dans la Kouba gît Lala Messouda, la mère du sultan Ahmed el-Mansour et Saadi. Au terme de deux années de travaux, le programme de restauration du site des tombeaux saadiens, enfin achevé, redonne sa splendeur à ce lieu magique, bijou de l'architecture marocaine.